Donc ça, c'est cette foutue plante grimpante, apparemment. C'était quoi une plante? Ouais, c'est bon, une herbe, je m'en fous de l'herbe. Alors maintenant, je sais plus. Il y avait quoi là-bas? Ah oui, non, ouais, c'était fermé, là, c'était la pièce où il y avait les abeilles. Je vais peut-être juste retourner reposer des trucs là. Par exemple les cartouches. Encore une fois. C'est impressionnant le nombre d'allers-retours qu'on fait. Ça fait un peu. Ça me fait même carrément, ouais. Penser à Silent Hill 4. Ils ont repris le système de Resident Evil avec un inventaire limité. Et c'est presque plus chiant qu'autre chose. Je vais rester avec ça. Ah, c'est pas là qu'il y avait les serpents? Non, je sais plus où c'était. Je branche l'ascenseur. Donc il me faut vraiment une batterie. Je vais aller refaire un tour là-haut parce que je sais que j'avais été un peu précipité par les serpents et j'avais pas eu l'occasion de tout visiter. En fait, je sais absolument pas du tout là. Ouais, bon. Tiens, un de moins. Deux de moins. Merde, il y en a encore. Eh hey, merde! Oh, mais il y en a combien? Ouais, bon. On va pas s'exciter. Mais je suis où la merde? Je sais même pas où je suis. Je suis de quel côté du... Je le saurai rapidement.
Oh, les chiens. Mais attends. Qu'est-ce que je fais là? Je sais même pas ce que je fais. D'accord. Ouais. Je suis allé par là, je suis pas allé. Et attends. Oui, un plan du jardin. Et ben voilà. Et je vois qu'il y a des passages que j'ai pas visités. C'est les passages qui vont sous la cascade, à mon avis. Mais où cette putain de porte? Y'a pas une porte là? Normalement? Un treuil pour l'ascenseur. L'ascenseur est en bas. Ok. Je vous avoue que je suis un petit peu perdu. Donc ça, c'est un ascenseur qu'il faut que je prenne. Mais l'ascenseur est en bas. Alors pour le faire remonter... Ah ouais, donc logiquement, c'est l'ascenseur qu'il faut que je rebranche. Hey, mais attends, je suis où là? Je suis revenu dans le manoir? C'est pas ce que je voulais faire. Attends, mais... J'ai des clés, la clé de la pièce C, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait pas une clé... d'une pièce qui est fermée dans la... dans le manoir. Je me pose la question. Ouais, je me pose sévèrement la question. Bah, de toute façon, on va essayer, hein, j'ai que ça à faire. Non, ou au pire, non, je vais couper. Et je vais retraverser 2-3 salles dans le manoir. Enfin, je vais chercher un petit peu, là, pour savoir quoi faire. Je vais recouper. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon, bah, à tout de suite, alors. Meurs, voilà de nouveau. Donc, j'ai fait un petit tour du côté du manoir. Et finalement, les clés que j'avais ouvraient aucune porte. J'ai juste rencontré 2-3 zombies qui avaient respawné à des endroits où je m'y attendais pas. Je me suis fait un peu bouffer, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai eu juste à recharger ma partie juste avant que j'aille dans le manoir. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller faire une tête au carré à la plante. Enfin, j'imagine. Donc, pour ça, je me suis préparé. J'ai pris un ou deux soins, au cas où elle m'empoisonne. Bon, ça, je sais pas du tout comment ça va se faire. J'ai pris de l'herbe et mon bazooka, que je vais équiper tout de suite. Par contre, je sais pas trop comment ça se contrôle au niveau de la visée, au niveau de la vitesse de tir, etc. De la cadence aussi. Donc on verra bien. On verra bien. Je sais pas où je vais. Non, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Enfin, je dis que je vais aller faire une tête au carré à la plante alors que je suis même pas encore allé au sous-sol. Je sais même pas si s'il y a quelque chose au sol. Donc je vais... Avant d'aller trop vite. Ok. Voilà,
Attends, putain, mais j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, moi. Non, c'est bien là. De toute façon, il n'y a pas d'autre porte. Je suis bête. Allez, allons-y. Ah, j'ai perdu les contrôles, putain! Merde, c'est où déjà? C'est là. Voilà, c'est mieux! Une sauvegarde. Je fais surtout vraiment une sauvegarde rapide parce qu'au cas où ça plante, puis surtout au cas où je perds les contrôles. Où je perds les contrôles au moment où il faut pas. Ça, je vais le pousser. Parce que je pense que. Ça ne me sera pas inutile. En fait, mais je sais, je dis ça, mais je sais pas du tout. Ok, j'ai compris. Faut la troisième. Mais ce qui fait chier, c'est que la troisième, elle est... Elle est collée là. Je pourrais jamais la pousser. Est-ce que je pouvais pas par hasard la pousser Attends, j'aime mieux. On va faire ça, c'est plus simple. Bah non, mais comment je vais faire alors? Ce que je veux dire, celle-là, je peux pas... Je peux pas la pousser? Comment je vais faire? Cette musique qui est très sympa au début devient vite vite flippante. Tu vas pas me dire que... Putain, elle peut pas passer. Ah, mais je suis complètement con, moi. Je la pousse là-bas pour la décoller du mur, putain. Bon, sinon, ça va, la femme, les gosses, tout ça. Les vacances, surtout. Parce
Et j'imagine que pas mal d'entre vous sont en vacances maintenant. C'est les vacances, les examens sont finis. Enfin, pour ceux qui ont des vacances, hein. Je sais que moi, me concernant les vacances, c'est pas trop ça. Vu que... faut que je prenne des congés. Bon, j'ai pas mal de congés à prendre, donc à mon avis, je vais pouvoir me faire de bonnes grosses vacances. J'en aurai peut-être même pris d'ici, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo. Elle pousse, pousse, pousse. Allez, encore. Petit effort. Allez, on y est. Yes. Fait quoi cette herbe là? Je sais pas, elle me donne soigner du poison puis me redonner pas mal de vie. Allez, c'est parti. On va se marrer. What? Je crois qu'il va falloir que je vide d'abord le sous-sol en fait. Parce que mine de rien, je pense que la plante a pas de raison de me faire de mal. Vu qu'en fait, normalement, si j'ai bien lu la note, là, un système pour se nourrir au sous-sol, donc avec l'eau. Et un autre système en bouffant les gens qu'il y a au-dessus. Ah, c'est quoi ça? Oh! Oh! Merde! Oh putain! Wow, mais il est rapide! Oh non! Il n'y a pas de serrure, magnifique! Sur la porte, on peut lire salle de contrôle. Alors, il y a un truc dont je me souviens, c'était avec la clé de la pièce C. Et donc, à mon avis, C comme contrôle. Je pense que... ouais. Chargement, hop, terminé.
Eh ben, on va retourner chercher la clé. Ça, cette musique est très... très dérangeante. Bon, puis je vais m'arrêter dans pas longtemps. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Bon, allez, c'est bon, il me reste quoi, 5 minutes? J'ai le temps, je pense, de retourner en bas. J'ai plein de trucs là aussi. Ouais, tant pis. Hop, clé pièce C. Je pense que c'est la clé de la salle de contrôle. Je suis pas sûr. Hein. Je dis, c'est vraiment au pif hein, ce que je dis. Parce que ça pourrait être d'autre. Pièce C, c'est comme contrôle. En fait, j'ai pris mon bazooka, mais ça sert à rien pour le moment. Éviter le requin, cette fois-ci. Oh! Ouf! On va me dire la clé est plus utile. Un levier, l'actionner. J'espère simplement que le requin n'a pas de pattes. Tiens, là maintenant on a quoi? Il y a un bouton appuyé dessus. On entend un bruit dans l'autre pièce.
C'est quoi ce bruit là? Je veux pas trop savoir ce que c'est, moi perso. Aïe aïe aïe. Eh mais... Tout est mouillé, inutile. Non, pas tout. Ouais, j'ai des balles à plus savoir quoi en faire là. Je crois que j'aurais dû prendre le fusil. Là, je vois qu'ils sont pas avares en cartouche. C'est que je risque d'en avoir fort besoin. C'est quoi ça? La clé de... La clé dortoir, ça doit être la clé de la pièce 3, je pense. On va voir ça tout de suite. Yes! Mais je ne sais plus où est la pièce 3. Et de toute façon, vu l'heure qu'il est, moi je dis qu'on verra ça au prochain épisode. Donc ce que je vais faire, je vais remonter, et puis je vais sauvegarder. Tout simplement. Je vais d'abord voir ce qui m'attend là. Ah! Bah... Il est mignon! Non, c'est lui là que je veux. Tiens! Saloperie de requin! J'ai tout fait au sous-sol, il ne me reste plus qu'à remonter. Eh non, quoique, attends. Si je reviens dans la chambre où il y a la plante, il y avait quoi? C'était dans cette pièce-là. Je pense qu'elle devrait pas être super contente. Ouais, bon, elle a rien changé. Je pense juste, ouais, qu'elle sera pas contente quand je vais remonter en haut. Bon, ben, on va remonter, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Oh, et puis vous savez quoi, je crois que je vais sauvegarder. Je sauvegarderai après avoir arrêté l'enregistrement. Donc moi là, ce que je vais me faire, je vais simplement me faire une petite séance de rangement dans le coffre parce que je sens vraiment qu'il y en a besoin. Je vais faire mes sauvegardes, etc. Tout ce qu'il y a besoin de faire. donc bah merci d'avoir regardé ces vidéos sur Resident Evil. J'ai bien aimé cette session. On a vu beaucoup plus de choses, j'ai réussi à terminer finalement le manoir, enfin terminer, dans un sens, hein, puisqu'il reste encore des choses à faire, mais ça fait plaisir de voir ces environnements-là, que je crois que j'avais jamais vu en jouant au premier Resident Evil.
J'avais dû les voir, mais en regardant quelqu'un jouer, mais je les avais jamais fait de moi-même, parce que j'étais jamais allé aussi loin dans le jeu. Donc ça fait vraiment plaisir d'aller plus loin, puis d'avancer tout simplement. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos, rendez-vous très bientôt pour les vidéos suivantes. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut !